me coiffe, je suis tout bon, je me coiffe, je suis prêt. Oh, je suis trop pressée de la voir. Tu vas où? Tu vas voir ton amoureuse? C'est pas vrai, Lola. Tu vas quand même pas me faire croire que tu vas à la grande roue toute seule, comme ça, pour t'amuser? Bah si. Tu mens, Mag, je sais que tu vas voir ta copine. Non, c'est pas vrai. Si. Non. Si. Non. Si. Maman! Lola, elle arrête pas de m'embêter! Lola, laisse Max! C'est même pas vrai, maman! Ah, séparez-vous, les enfants! Je descends dans le salon. Bah, de toute façon, moi, je vais partir. Bon, bah, j'y vais, moi. Juste, Max, avant que tu partes, je dois te dire un truc. Qu'est-ce que tu veux? T'as une tache, là, sur ton visage. Où? Ah non, pardon, c'est ta tête, elle est comme ça. Excuse-moi. Maman! Lola, t'arrêtes d'embêter ton frère, là? Au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi, tu sais que je vais te punir, hein? Et c'est bon, je peux rigoler, non? File dans ta chambre. Et Max, bon bah vas-y, hein. À toutes, maman, à toutes. À toutes, imbécile. Lola, va dans ta chambre. Pourquoi elle est toujours pas là? Ça me saoule. Lucie, t'es là, mais c'est qui, lui? À vrai dire, Max, je suis désolée, mais j'ai trouvé un garçon plus beau et plus intelligent que toi. Donc, pour te dire gentiment, je t'aime plus. Quoi? Allez, ciao. Allez, viens, Steve, on va faire de la grande roue. Oh, Steve, je te déteste. Oh, ça se fait pas. C'est moi qui l'avais rencontrée en première. Elle était belle en plus et je crois qu'elle m'aimait. Salut. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Tu fais quoi tout seul ici? Rien. Pourquoi tu pleures? Je pleure pas. Bah si, tu pleures. Non, je pleure pas. Laisse-moi deviner. Il y a Lucie derrière avec Steve. T'étais amoureuse de Lucie. T'étais amoureux de Lucie, mais elle t'a quitté. Oui, pour Steve. En plus, il est moche. Je suis d'accord, Steve, il est moche. Il est méchant surtout. Mais bon, toi, je te trouve jolie. Quoi? Rien. Bon, je dois partir, je te laisse. Juste, tu t'appelles comment? Max, et toi? Bon, bah, je te laisse. Je suis rentrée à la maison. Je sais même pas comment elle s'appelle. Max, t'es rentrée? Oui. Bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon chou? Pourquoi tu pleures? Elle est méchante, Lucie. Dis-moi tout, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un garçon plus beau et plus intelligent et plus gentil qui s'appelle Steve, mais il est moche. Oh, pauvre Max. Elle t'a quitté? Lola, laisse-le. Non. Et puis après, il y a une fille, elle avait l'air gentille. Elle était un peu noire, et elle avait des cheveux bruns et elle avait une belle tenue. Ah, attends, je crois que je la connais, elle est super sympa. Oh, tu devrais te mettre avec elle, elle est trop gentille. Lola? Bah quoi, tu veux pas que je l'aide? Tu m'engueules parce que je me moque de lui et quand je veux l'aider, bah tu m'engueules. Ok, allez, va avec ta sœur, Max. Elle s'appelle Aya, elle est super sympa, hein. Si tu veux, je te rapproche d'elle. Moi, je sais pas, je la connais pas trop. Et puis elle m'a dit que Steve c'était un imbécile. Bah oui, elle a raison, Steve c'est un imbécile. Tu parles, ce garçon, personne ne l'aime. Mais Aya, elle est malade, enfin je sais pas trop qu'est-ce qu'elle a, une maladie bizarre. Donc, elle a pas. Genre elle vit à l'hôpital, tu vois. Quoi? Non, je rigole. Non, t'es méchante, Lola. Bon, arrête de pleurer déjà parce que ça me saoule là. D'accord. Alors. Je peux me rapprocher d'elle, tu penses? Ah, vous irez très bien tous les deux, je pense, hein. Ouais. Bon, déjà, comme t'es un garçon, tu vas l'inviter à manger à la maison. Enfin, tu vas l'inviter à la maison et tu vas lui faire un petit gâteau. T'as qu'à faire... Je sais pas, t'as qu'à faire des... Tu lui demandes qu'est-ce qu'elle adore comme biscuit. Et puis, t'en fais, toi-même. D'accord. Mais j'ai pas son numéro de téléphone. Oh, mais c'est ma copine, je te dis, donc j'ai le tien. Ah, d'accord. Mais moi, elle me connaît pas. Bah non, parce que je parle pas de mon frère à mes copines. Hein. D'accord. Donc tu me passes son numéro de téléphone et je l'appelle. Ok. Si tu veux, je lui envoie un message. Je lui demande moi c'est quoi son gâteau préféré. Comme ça, ça fera pas trop suspect. Oui. Max, je lui ai dit de venir. Quoi?
Alors ses gâteaux préférés, c'est les petites briochettes. Et je lui ai dit de venir cet après-midi pour qu'on joue toutes les deux. Mais tu croyais que c'était pour moi? Mais oui, mais tu vas lui voir, tu vas la voir, tu vas faire « Oh, comme c'est bizarre, on se revoit, le destin nous lie. » Tu dis un truc comme ça et tu vois si elle t'aime bien. Bah moi je la trouve jolie, mais après je sais pas si elle est elle-même, comme ça en un regard. Oh, vous allez apprendre à vous connaître. Donc tu l'aimes bien toi? Bah je la trouve belle quoi. Et elle t'a dit quoi? Bah elle m'a dit qu'elle me trouvait jolie. D'accord, donc pour le premier regard c'est pas mal. Je l'invite cet après-midi et de toute façon tu la verras et voilà. Hey Aya, ça va? Ouais toi? Attends, mais c'est une blague? Quoi? Le garçon c'est ton frère? Qui? Salut! On peut pas aller dans ta chambre là et aller sans lui s'il te plaît? Bah oui d'accord. Pff, c'est fini, ça sert à rien. Pourquoi tu veux pas lui parler? Bah en fait, à chaque fois dans la cour, je le vois à l'école. Il le trouve trop mignon, il a l'air trop gentil. Tu lui dis pas ce que je te dis, hein? Bien sûr que non, de toute façon je dis rien. Ok, mais comment, il s'appelle Max, c'est ça? Oui, oui. Oh, il a l'air trop gentil. Oula, oui, il est gentil. Il est très gentil, il est très mignon. Oh, je sais pas quoi lui dire, j'ai peur qu'il se moque de moi, qu'il me trouve moche, je sais pas. Ça fait longtemps que je le regarde en plus, mais j'ai trop peur. Lui, il m'a vu qu'une fois, je crois. Il m'a vu que ce matin, donc je sais pas trop quoi lui dire. Ah, dis-lui ce que tu ressens et puis tu verras bien ce qu'il dit. Ouais, mais imagine, il me dit « Non, t'es moche, je t'aime pas, je te connais pas. » Oh, y a comme on dit, qui ne tente rien à rien, donc va aller lui dire là tant que t'es ici. Dire quoi? Max, je sais que c'est un peu tôt parce que voilà, tu viens de... Top, désolée de vous interrompre, mais je crois que c'est mieux que je vous laisse tout seul. Allez, je vous laisse. Je pense que c'est un peu tôt pour te dire ça parce que tu viens de rompre avec ta copine ce matin, mais tu vois en fait à chaque fois dans la cour, à chaque fois que je te vois, je me dis ouais, ce serait bien que je le connaisse parce qu'il a l'air trop gentil et qu'il est mignon, donc tu comprends? Oui, mais moi je t'ai vu qu'une fois, je sais pas quoi te dire, même si je te trouve très belle. Oui, enfin, tu veux être mon amoureux? Je te connais pas trop, je voudrais bien, mais... Hé, imbécile, toutes les relations commencent par ça, alors il faut bien vous connaître. C'est d'accord. Tu veux bien sortir avec moi? Oui. Ouais. Et comme on dit, tout est bien qui finit bien. Lola! Oups, pardon.